partager un peu. On va appeler le monsieur et il va nous dire ce qu'il nous a, ce qu'il a à nous dire. Moi-même, quand je regarde, je ne me vois pas en direct. Je regarde sur un autre téléphone, je ne me vois pas. Je clique sur ma page, je ne me vois pas. Donc, mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Même s'il y a 5 personnes, nous allons faire notre direct. Inch'Allah. Comment ça va, Yaya? J'espère que tu vas bien. Donc, il faut essayer de partager un peu. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ceux qui ont leur ADN qui est la honte, ils sont là. Marie Sissoko a gagné. Ce qu'elle a dit, c'est réalisé par la grâce d'Allah. Donc, ceux qui n'ont pas gagné, ce sont eux les maudits. Et ils seront toujours maudits par Allah et par Iblis. C'est ça. Quand tu es du côté de la vérité, on peut dire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Mais la vérité finit par triompher. Tout ce qu'elle va mouler, non li. Mariam Fadika moulé, non li. Mamadba Kamara, est-ce que moulé? Non li. Chimène Lagarde, est-ce que moulé? Non li. Eh, c'est le plus important. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent, la vérité n'a pas la majorité. La vérité n'a pas besoin du monde. La vérité a besoin de bonnes personnes. C'est ça le plus important. Voilà. Merci, merci. Salut à toi aussi là-bas. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Marie Sissoko, la femme bénite. Wallahi, wallahi. Allah même. Tout ce que je lui demande, il fait. Qu'est-ce qu'on veut de plus encore? Hein? Donc, essayez de partager comme vous pouvez, s'il vous plaît. Vous voyez, ils disent qu'on raconte des conneries. Mais ils nous signalent. Ils disent que nous sommes des menteurs, mais ils forment des groupes pour nous signaler. Quelqu'un qui ment, il faut laisser sa page tranquille ou bien. J'ai publié une photo hier, même ma photo, ils mettent tête de mort, ma photo, tellement que je l'ai fait trembler. Vos patrons qui vous commissionnent là, c'est eux que moi j'arrange. Vos boss là, les Damaro, Alpha Condé, les Kassori. Ceux que vous pensez être grands là, c'est eux que moi je mets propres. Parce qu'ils ne sont pas propres. Donc vous les petits couillants là, vous ne pouvez rien faire. Ce que j'ai dit, ça s'est passé. Et ça va se passer. On va continuer les invocations et les prières. Nous allons continuer. Même s'il y a 100 personnes. 100 personnes ou une seule personne qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité et la certitude dans la foi, ça prend. Plus que 10 millions de personnes qui ne sont pas sincères. Avec Allah, ça ne prendra pas. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Malik Sankon a envoyé une délégation. Il paraît, la personne va venir expliquer lui-même que Malik Sankon a envoyé une délégation à Moyenne-Guinée dans un village de l'abbé. Ils vont aller faire des sacrifices qu'il est décidé et engagé. Voilà, il est décidé et engagé. Il va venir nous expliquer parce que bon, c'est sa chose à lui, c'est pas moi. Il n'a pas fait. Alou mané rafé. Alou mané rafé. Mais barka nané n'a pas fait. Voilà. Donc, nous allons continuer. Même s'il faut créer une autre page, nous allons le faire, Inch'Allah. Il faut que Iblis et ses adeptes quittent la Guinée. Il faut que Iblis quitte la Guinée. Il faut que Shaitan quitte la Guinée. Partagez, partagez. Il faut que Shaitan quitte la Guinée. Il faut qu'il parte d'où il vient. N'oubliez pas les invocations toutes les nuits. Les jeunes, dans les invocations, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il revienne en Guinée. Regardez les personnes qui défendent ce maudit-là. Regardez-les. Regardez leur look. Regardez leur style. Regardez leur crédibilité, même dans vos familles. Ils ont peur, Satan va mourir en eux. Ils ont peur, Satan est en train de brûler en eux. Sinon, tu n'as pas à défendre un maudit. Allah nous a montré leur malédiction. Quel est le chef d'État? Quel est l'homme politique qui a été humilié de la sorte dans toute l'humanité? Lequel? Lequel a été humilié de la sorte? Lequel? Dites-moi, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec Allah. Ceux qui sont derrière lui ne sont pas avec Allah. C'est tout. Il n'y a pas 50 000 routes dans ça. Il n'y a pas 50 000 routes. Il n'y a pas de micmac avec ça. Tu es avec lui, il est avec toi. Tu n'es pas avec lui, il ne sera pas avec toi. Nous allons commencer, même s'il y a 105 personnes, ce n'est pas grave. On va essayer d'appeler la personne.
Il va dire ce qu'il a à dire. Et puis, on va s'arrêter là. Il fait nuit. Demain, c'est un autre jour. C'est comme ça qu'on dit. J'espère que mon titre apparaît là-bas déjà d'ailleurs, parce que ça aussi, c'est un autre problème. Quand on vous parle, vous pensez que c'est la blague. Je vous ai dit que c'est les réseaux sociaux qui vont faire tomber les gens là. Ils ont payé l'argent. Ils ont recruté des maudits et des bons à rien. Ça n'a rien donné. Ça ne peut pas donner. Vous les rangez à Nango, mais Barka Mère. Wallahi, Barka Mouna Boulira. Barka Mouna Boulira fait. Ils sont en train de parler parce qu'ils ont bouffé l'argent. Oui. Ils sont en train de parler parce qu'ils ont bouffé l'argent. Donc, Satan, quand tu bouffes son argent, il veut montrer à toute l'humanité que tu es avec lui. Alors, il faut diminuer, comment on appelle ça? Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup de monde, c'est pas grave. Il faut essayer de partager comme vous pouvez, parce que comme je t'ai dit, la page a énormément de problèmes. Le plus important est de faire passer le message, même s'il y a 100 personnes qui regardent, c'est pas grave. Voilà. Voilà, Allah veut leur faire honte. Nous allons continuer. Je te mets sur... Attends, hein. Attends, je te mets sur haut-parleur, hein. Une petite minute, s'il te plaît, pardon. Attends. Ok, ok. Connected. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, tu es sur haut-parleur. Alors, d'abord, moi, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la Guinée, hein, pour merci. Tous les Guinéens, pour les jeunes, parce que d'abord, vous avez vraiment mouillé le maillot. Oui. Au moment où tous les Guinéens étaient désespérés. Moi, je vous ai dit, j'ai commencé à vous suivre depuis le mois de décembre, janvier, février. Mm-hmm. Jusqu'à l'enlèvement d'Alpha Condé, vous étiez sur le terrain, vous mm-hmm. combattez, vous faisiez des vidéos, vous dénoncez. Oui. Vous avez vraiment contribué à l'instauration de la démocratie. Vous avez contribué à l'enlèvement de ce dictateur du 21e siècle. Mm-hmm. Ça, les Guinéens aussi sont conscients de ça. Mm-hmm. Et ils sont au courant de tout. Voilà. Oui. Parce que nous sommes sur le réseau, nous voyons tout ce qui se passe. Oui. Aussi, ce qui concerne, parce que vous avez dit un mot tout à l'heure qu'il n'y a pas de monde, moi j'informe les gens et c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Oui. À chaque fois quand vous faites des vidéos ici, la vidéo est proposée à Sékou Touré, hein, bien avant qu'Alpha Condé soit chuté. Il vous regarde, il vous touche. Vous le dérangez, hein, je vous le dis. Oui, oui, dès oui, que oui. vous mentionnez ici le nom d'un ministre ou machin, il vous regarde parce qu'ils sont au courant. Ils oui. voient, c'est leur sujet, ils soient aussi pertinemment, ils savent que ce qu'on débat sur vos pages, c'est réel, c'est authentique. Oui. Et ça les dérange. Oui. Si vous voyez ce signal sur la page Facebook, ils ont des communicants, des informaticiens qui passent par tous les moyens pour détruire ces pages qui les dérangent. Oui, il paraît. Voilà, c'est ça. Alors, bref, je vais être clair pour expliquer les gens par rapport à ce qui se passe en ce moment en Guinée. Du coup, le sujet portera aussi sur Malick Sanko. Malick Sanko, moi personnellement, je suis pas contre sa personne, mais je suis contre ses actes, son comportement, sa façon de vivre. Malick Sanko, c'est quelqu'un qui a été à la base de tous les problèmes que la Guinée a connus, parce que il était à la source de la Guinée, quand je dis la source de la Guinée, à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Ouais. Malick Sanko, il vient juste de programmer une équipe qui est en direction de Fouta, dans la région administrative de l'Abbé. Je vais expliquer ça comme ça, parce que c'est une source crédible de confiance. Nous avons eu cette information. C'est une équipe qui vont aller à Fouta dans un village où je peux faire le nom, mais ils vont aller faire des sacrifices de sataniques exclusivement pour qu'il soit maintenu dans son poste de la Caisse nationale de la sécurité sociale, pour que tous leurs hommes soient intégrés dans le nouveau gouvernement de la transition militaire qui est dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, il faut que les gens chassent, il faut que les gens puissent avoir la connaissance, la compréhension par rapport à ce qui se passe en ce moment, surtout le chef d'État africain, plus particulièrement en Guinée. Ouais. Les gens que vous voyez comme des Malick Sanko, comme des Kassori, comme des Kiribi, c'est des gens, c'est des sataniques, ils travaillent avec des diables. Ils travaillent avec des diables. Donc Malick Sanko, son équipe est en cours, ils sont en route,
Et ils vont arriver à l'abbé à demain matin à partir de 7 heures. Le sacrifice, ça sera à partir de demain dans l'après-midi. Ils vont faire 3 jours. Ça sera, ils ont beaucoup de sacrifices à faire. Là, ils ont toute mallette dans l'argent, mais ils n'ont rien acheté d'abord. Dès ils vont arriver à l'abbaye, ils vont acheter tous les aliments, les conditions nécessaires pour qu'ils puissent aller dans le village pour faire des sacrifices. Via même, hein, parce que nous avons eu une information que ça sera aussi, ils sont prêts même à faire des sacrifices humains, même pour qu'ils soient maintenus. Aussi, ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi faire le sacrifice? Pour qu'ils soient aussi épargnés de l'audit qu'ils vont mettre en place, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient audités. Donc, c'est ça, et nous tenons à informer à nous tenons à informer à les Guinéens, et plus particulièrement les gens qui vont les réceptionner à Fouta. Donc, si Fouta doit être au courant de ça, si Fouta est prête à accueillir comme des Malik Sankon, pour les faire des invocations, étant donné que c'est des gens qui ont été à la base, à la solde de toute l'exploitation de leurs enfants, en tout cas, ils ont les responsabilités devant Dieu, ils ont les responsabilités aussi devant leurs enfants. Donc, c'est de vous dire ça, l'équipe est déjà en route, en route. Toute personne qui n'est pas sûre, il peut vérifier l'information. L'information, c'est une source crédible et concordante. Elle est réelle. Malik Sankon en personne, celui qui a donné l'argent, celui qui a financé tout, ils sont en route. Et il n'est pas seul. Il y a beaucoup de cadres du RPG Arc-en-Ciel qui sont fichés dans les audits et dans tout aussi de la DAF. Ils sont en préparation. Mais bon, vu que nous avons cette information qui est réelle, ils veulent passer par tous les moyens pour qu'ils soient éteignés des choses qui vont sur derrière eux. Donc, c'est ça l'information. Et nous tenons à porter à la connaissance de tout le monde. C'est ça en quelque sorte. Il y a Amadou Sall qui dit que mon frère, je le dis comme il l'a écrit, hein, parle le nom du village, s'il te plaît, les gens de l'abbé pour qu'ils s'organisent, pardon. Mais il ne connaît pas le nom du village exactement, mais Voilà, c'est donc dans du la coup, zone. sur le coup, je ne connais pas le nom du village, mais d'ici demain, si j'ai l'information, voilà, je vais essayer de récupérer, collecter des informations, je vais recenser les meilleures et je vous dirai le nom du village. Voilà. D'accord. Maintenant, ce que Mais moi je veux. c'est dans l'abbé, c'est dans l'abbé, c'est dans la région administrative de l'abbé. Et ils sont en route. Donc déjà, c'est. Ils sont en route, ils sont en route. Ils sont au moment où je vous parle, ils sont à peu près entre Kindia et Mamou. Voilà, D'accord. donc c'est ça. Et aussi, hein, il faut que si je rappelle les gens. C'est vrai, on dit souvent c'est Fouta qui est toujours victime. Mais je te dis, je suis désolé, moi je suis du Fouta. Même moi, la personne qui parle, je suis du Fouta, du Fouta profond. Mais souvent, des gens qui continuent à massacrer les Guinéens, ils cohabitent, ils collaborent avec les SAS du Fouta. Ça, il faut le dire. C'est le moment de le dénoncer. Parce que, oui, je ne suis pas gêné de parler, je vais dire, c'est comme ça. Parce que tu ne peux pas être, en fait, à l'origine de l'assassinat d'une population et moi, je collabore avec toi. Vous imaginez? Aussi, Oui, les chefs d'État, si vous tirez, vous regardez un peu les archives de l'histoire de la Guinée, quand Alpha Condé est arrivé à la tête de la Guinée, il a travaillé avec tous les anciens des RPG Arc-en-Ciel. Vous savez que c'était avec sa volonté? Aussi parce que ces gens-là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à sacrifier même leurs enfants pour être dans le gouvernement. Donc, c'est le moment de tous les Guinéens, de tous les activistes, parce qu'on est des croyants. Il faut qu'on essaie de formuler à la prière. Il faut qu'on essaie de formuler à la prière de cette pouvoir, cette transition, pour que chacun puissent vivre dignement pour que nous puissions triompher de personnes sataniques, de personnes inhumaines. Voilà. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Bon, parce que là, il faut il le y a dire, les hein, gens c'est qui des écrivent des théories questions. complotistes sacrifices humaines. C'est tout. C'est abdominal, hein, c'est rituel satanique qu'ils font. D'accord. Maintenant,
Mais le nom n'est pas caché, c'est dans le titre, c'est Aldine ou Aldine, là, c'est pas caché, hein. C'est pas quelqu'un. Bah ouais, ils me connaissent, hein. Ils me Oui, connaissent, je son suis nom est pas là. un inconnu du réseau, Son nom ils savent les informations que je relève, je ne peux pas est faire dans le plaisir pour titre, parler à c'est personne, je pas viens, je caché. parle, c'est réel. J'ai écrit son nom dans le titre, donc il ne se cache pas. Voilà. Et c'est quelqu'un qu'on connaît. Moi, la question que je vais poser tout à l'heure, je l'ai notée et en même temps, tu en as parlé, mais je vais quand même la poser aussi. C'est pourquoi souvent c'est du côté du Fouta qu'ils acceptent de travailler avec ce genre de personnes. C'est vraiment dommage, quoi. C'est, Non, non, cela non, est non, dû ça à c'est quoi? dommage, vraiment c'est dommage, parce que si Cela je est dû viens à de voir quoi? de nos parents de Fouta, qui travaillent avec des gens qui nous mettent en exil, qui nous tuent, qui nous violent, qui nous violentent, qui nous mettent en prison, franchement, ils vont répondre devant l'histoire. Ouais. Voilà. Mais cela est dû à quoi? Hein? Cela est dû à quoi? Ils font Ah ça ben, pourquoi? écoutez, c'est une histoire des intérêts, c'est une histoire des intérêts, ils pensent qu'à leur peau, c'est l'intérêt personnel égoïste, ils pensent qu'à leur cause. C'est tout. C'est tout. Quand Oui. même. Parce que toutes les personnes qui travaillent avec Damaro, qui travaillent avec Gianni, mais écoute, la majeure partie, c'est certaines notabilités, pas tout, mais c'est certaines notabilités du Fouta. Il paraît, oui. Il Ah paraît. oui, ah oui, Oui. non, ça, il ne faut pas être gêné de dire, il faut taper là. En fait, il faut dénoncer les choses, il faut dire tout. Mais en fait, moi, ça me fait mal à un moment donné de constater ça, de voir des gens qui sont sains et qui sont prêts à tout pour collaborer avec ces gens-là, parce que tout simplement, ils sont prêts à lui donner des petits billets, de l'argent. Tu vois? Quand on est croyant, quand on est musulman, il faut vraiment que tu puisses avoir une certaine dignité, que tu puisses garder ton humanisme, parce que pouvoir, regarde maintenant, ils vont aller faire tous ces sacrifices qu'ils vont leur demander. Après, Malik Sankho va rester, il va continuer à piller le Tout pays, à il va fait. continuer aussi à instrumentaliser et toutes les personnes qui sont autour de lui pour développer le système qu'Alpha Condé a initié en Oui, Guinée. tout à fait. Voilà. Donc, mais ça, c'est ce que Emmanuel, je dis. Adeline, Emmanuel Kaba dit, Emmanuel Kaba dit que madame, je vous prie d'informer le colonel pour qu'ils envoient, le commentaire est passé, en tout cas pour qu'ils envoient quelqu'un pour boucler la zone. Oh, Monsieur Kaba, nous allons tous œuvrer à cela, mais vous voyez, moi, ma page a une grosse restriction. Comment ça se passe Oui, maintenant? ici, Mais moi, après, je vais rajouter ma part. Oui, allez-y. écoutez, s'ils veulent donner la force à Madame Sissoko, ils n'ont qu'à continuer à partager, à mettre de cœur, à pied de cœur. C'est ça qui fait nourrir la page. Vous partagez ces vidéos, vous likez, vous mettez de cœur. C'est ça qui nourrit la page. C'est tout. C'est tout. Ils Voilà. écoutent, ils écoutent. Oui. Donc, c'était ça, cette information. Je Ok, c'est tenais très très à important. développer ça avec vous parce que c'est important. Mais je sais que vous faites mal à ces couturiers, hein, à Alpha Condé, parce qu'ils Oui, vous je regardent sais. vos vidéos. Je suis Ils savent, ils savent. son patron. Vous savez, les sataniques, ceux qui sont avec Shaitan, même le Ilbab là, ça les tue, ça les dérange. Voilà. Oui. Donc, c'est ça quoi, je vous comprends tout à fait. Je vais vous dire merci de toutes les façons. Je vais rajouter ma petite conclusion dessus. On va en rester là. Parce que ce qu'on D'accord, a dit là, ce que vous avez dit là, le boulot est presque gâté là. Nous allons rajouter les invocations, tous ceux qui sont là actuellement, même s'ils sont 100 personnes, aujourd'hui dans leur prière, ces jours-ci dans leur prière, tous les boulots sataniques qui sont en train de se passer en Guinée ou à travers le monde, pour dérouter cette équipe-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruise tous ces boulots-là. C'est tout. Quand vous priez dans vos prières, vous dites ça. Chacun se débrouille parce qu'Allah, chacun a son lien avec D'accord. Allah. On ne peut pas savoir, quoi. Voilà. Donc, chacun, que chacun fasse comme ça. C'est ça, Oui. Abid. Je te dis merci et je vais OK. rajouter mes petites conclusions dessus. Je dois manger. Merci. En tout Voilà. cas, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant Ils de sont d'autres au courant, situations les gens écrivent ici, qu'ils ont des idées ils sont au similaires. courant, Ils peuvent aussi venir développer. c'est Parce pas que. caché, c'est pas caché.
D'accord. Merci à vous et merci de m'avoir donné la parole Merci, de merci, merci, m'exprimer vraiment. Je suis sur ce désolée, hein, parce sujet. qu'aujourd'hui, ce n'était pas du tout prévu que je fasse un direct. Moi aussi, j'aimais, voilà, quoi. Je vais Oui, rajouter je quelques comprends, minutes je comprends, dessus. je Et comprends. puis, à bientôt, Aussi. Inch'Allah. Et il faut partager, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout, parce que ici, il faut dire aux téléspectateurs de partager, parce que faire une vidéo live, ça prend beaucoup de choses. D'abord, il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie, il faut avoir. Il y a beaucoup de. C'est tout un investissement, mais les gens ne savent pas, ils pensent que c'est juste pour venir faire de l'amusement. Non, c'est tout un travail. Parce que allumer son téléphone, il y a des milliers de personnes qui te regardent. Et c'est toi qui parles, il faut vraiment. Les gens qui vous disent, il faut qu'ils essaient de partager et mettre de cœur. C'est tout. Voilà, c'est ça. Merci, merci et bonne merci. À soirée. Bientôt, Inch'Allah. Je vous rappelle après. Merci, hein. Non, merci. D'accord. Donc, vous avez compris ce qu'il a dit. Nous n'allons pas revenir dessus. Je vois vos commentaires et tout. Certaines personnes, chacun dit ce qu'il pense de la situation. Tout ce que moi j'ai à vous dire, ce genre d'information, c'est très important. Même si c'est 10 personnes qui regardent, même si c'est 5 personnes qui regardent, ça veut dire que les 5 personnes-là, ce sont des gens très, très importants. Ce sont des gens qui devaient regarder cette vidéo. Parce que les vidéos-là, c'est pas, c'est des vidéos spirituelles. Voilà, il faut pas rigoler avec cela. Que vous partagez pas. Vous ne partagez pas. Bah. Ceux qui doivent voir, Allah va faire qu'ils le regardent et qu'ils fassent des invocations. Quand vous tombez sur ce genre de vidéo, ces jours-ci-là, quand vous priez dans ce sens. Vous mettez vos partis politiques à côté, vous mettez vos ethnies à côté. C'est ça que j'ai dit dans les vidéos ces jours-ci-là. Je dis, cette ethnie, cette équipe-là, nous devons la soutenir. Parce que nous ne la, si nous ne la soutenons pas spirituellement, faisant les vidéos, faire des ci et des ça, et tout, les soutenir, vous allez voir qu'ils vont reprendre les anciens. Vous allez voir qu'ils vont aller du sens là où on a combattu, ça va revenir. Parce que moi, je vous ai toujours dit, ce n'est pas une question d'Alpha Condé. C'est une question de système. C'était Alpha qui était à la tête. Mais Alpha a trouvé ce système en place. Il a rajouté pour lui. Il ne faut pas oublier cela. Mais les gens ne veulent pas comprendre ce qui se passe. Ils font semblant de ne pas comprendre. Quand vous allez vous retrouver avec les mêmes personnes qu'on a recyclées, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Tout soutien à ce moment-là, c'est de soutenir cette équipe-là. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire des choses pour vous faire plaisir. Si on ne soutient pas cette équipe, moralement, spirituellement, dans tous les sens qu'il faut, nous allons toujours se retrouver dans une répétition. On va se répéter sans arrêt, 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 non-stop. Moi, je suis sauvée. Hein? Ce qu'un être humain doit savoir, je le sais aujourd'hui, ça me va. Partout où je mets ma tête, toutes les choses que je soutiens, Allah a fait par la grâce d'Allah. Il a fait que je réussisse dans ce que je soutiens. Je vous ai dit, les vidéos, ce n'est pas les vues. Les vues, c'est l'information. Le combat, c'est autre chose. Donc, ceux qui sont en train de signaler la page, merci beaucoup de m'avoir donné cette importance et que je me rende compte que ce que j'ai fait est très important. Ceux qui ont des doutes, il faudrait savoir que ce que j'ai fait là, c'est très important, c'est super important. Ceux qui ont partagé, je vous remercie pour les partages, pour les commentaires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste tous, qu'il nous guide. Le sacrifice qu'ils sont en train d'aller faire, qu'Allah garde ce sacrifice. Que Yahakim garde ce sacrifice, qu'il juge entre le peuple de Guinée, entre cette équipe et l'équipe qui est en train de partir faire les sacrifices, que Yahafatah nous donne la victoire aux gens qui ont le bon fond, aux gens qui veulent que la vérité triomphe, aux gens qui veulent la prospérité, le développement. Il ne peut pas y avoir de prospérité, de développement et toutes ces bonnes choses sans l'islam et sans la vérité. Donc, Allah nyama mubo. Miri mubo Ariana. Miri mubo Jahanamane. Donc, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, peut-être demain ou après-demain. Nous allons faire des vidéos d'invocation. Soutenez cette équipe-là, sinon, wallah billahi. Quel que soit le parti politique, il va regretter. Je vous dis la vérité. Le combat, c'est une suite. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, eux, ils sont pressés de la transition, de la transition. Il faudrait d'abord que ceux qui sont en train de passer cette transition, que cette équipe d'abord soit bien guidée. Que cette équipe paille part à bon port. Sinon, les partis politiques vont se retrouver comment? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut être réaliste dans ce que tu fais. Il ne faut pas penser qu'à soi. Tu vas penser à toi, tu es raccordé à quelqu'un. La personne à laquelle tu es raccordé, là, si le raccord n'est pas bien attaché, comment tu vas faire? Je vous dis merci beaucoup pour les partages et les commentaires. Je vais
J'ai fini de prier, je n'ai même pas eu le temps de manger. Je vais manger parce qu'il m'a appelé, c'est un peu urgent. Et à bientôt, demain ou après-demain, il y a quelqu'un qui doit faire un oustaz ou qui va peut-être faire les invocations et on verra. Il nous sauvera, mon frère, mais il faut faire les invocations et les prières. Et à bientôt, Inch'Allah. Merci à tout le monde.